Alors déjà, pour expliquer la société, pour faire simple, on a un service gratuit pour les clubs amateurs de foot en France. On s'appelle footeo.com. L'idée est simple, c'est que le club qui vient chez nous peut s'inscrire et avoir gratuitement son site internet à disposition en quelques clics. C'est très très simple de le créer et derrière, il va avoir des outils qui vont lui permettre de communiquer, que ce soit avec des articles, photos, vidéos, ou bien de gérer l'aspect sportif en gérant les convocations, en gérant le covoiturage. Donc voilà, c'est tous ces genres de choses que le club peut faire avec nous. Pour le club, donc on est capable bien sûr de répondre aux appels. C'est des appels qui sont non surtaxés, qui sont gratuits, locaux. On a un service email, on a même un service de live chat en direct qui permet de communiquer directement avec les personnes qui travaillent sur le site. Donc c'est très simple d'utilisation. Sur deux plans, déjà, il y a le plan, on va dire, du foot féminin. Donc c'est dans une action déjà de mettre en avant ce secteur qui est en train de grandir en Lorraine, qui est une vraie source de croissance, je crois, pour vous au niveau de la Ligue. Nous, c'était de récompenser le foot féminin, en tout cas, et de les mettre en avant avec une dotation de 40 ballons que j'ai ici, qui est un ballon spécialement conçu, Footéo et Ulle Sport, notre partenaire. Donc c'est avec plaisir qu'on le fait donc on va offrir cette dotation de 40 ballons. Et d'un autre aspect, c'est surtout aussi c'est ce dispositif capitaine engagé que la Ligue de Lorraine a bien bien monté et qui consiste à récompenser des actions citoyennes et voilà, des pactes citoyens. Donc c'est vraiment toutes les valeurs de Footéo et ça nous fait plaisir d'être dans ce partenariat-là. On viendra avec plaisir à la Ligue de Lorraine, on formera avec plaisir des personnes qui vont pouvoir justement découvrir comment utiliser un site internet gratuit, comment simplement je vais pouvoir bénéficier de ce que donne aujourd'hui un site, c'est-à-dire de la visibilité, une mise en avant des partenaires et surtout pour le club une source de revenus potentiels avec de nouveaux partenaires qui peuvent être attirés par ce média.